Exercice 2 sur la préparation pour la rentrée SPEMA terminale sur les fonctions. Calculer la fonction dérivée de chacune de ces fonctions après avoir déterminé l'ensemble de définitions et l'ensemble de dévariabilité de chacune d'elles. Okay. Première fonction. F de x est égal à moins 2x au cube plus 5x au carré moins 5x plus 9. Ok, donc c'est une fonction polynôme. Polynôme de degré 3. Donc les fonctions polynômes sont définies sur R, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur interdite. Et le domaine de dérivabilité défini aussi sur R. Ok, pas de problème là-dessus. Alors, on va utiliser quelques formules. Donc, si j'ai un nombre quelconque K, sa dérivée donnera 0. Si j'ai un nombre kx puissance n, on utilisera la formule k fois n fois x puissance n moins 1. Deux formules à connaître. C'est parti, on peut dériver. Donc f' de x avec moins 2x au cube. Du coup, c'est cette formule-là, avec k qui joue le rôle de moins 2. Donc, je regarde mon moins 2, fois la puissance, c'est 3, je le mets devant. Je réécris le x, n moins 1, je perds une puissance, je passe à 2. Donc là, ça va faire 5 fois 2, 10. 10x, ici, ma puissance n, c'est 1. Quand c'est 1, on le met pas. Ça fait puissance 0, 1 moins 1 puissance 0, et bah du coup s'il reste plus que moins 5. La dérivée de 9, c'est un nombre réel, ça fait 0. Dérivée de 9, 0. Je réduis cette forme. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6, x au carré plus 10x moins 5. Voilà la dérivée de f de x. Deuxième fonction, j'ai 2x. A, petite racine carrée. Moins racine de x plus 1 sur 2 sur x. Alors, j'ai une fonction racine et une fonction quotient. Donc la fonction racine. Racine de x est définie sur 0 plus l'infini. La fonction quotient 1 sur x est définie sur r étoile. R étoile, ça veut dire tous les réels sauf 0. Donc ensuite, il faut sélectionner le plus petit des ensembles. Donc j'ai pas le droit de prendre 0. Donc f, domaine de f, sera égal à 0 plus l'infini. Mais attention, j'ai pas le droit de prendre 0 à cause de l'étoile ici. Et f', bah du coup, f', ça va être le même. Plus l'infini. 0 non compris. Il ne nous reste plus qu'à dériver. Alors on va utiliser là quand même la formule dans le tableau des dérivés. La formule de racine de x qui donne 1 sur 2 racine de x.
la formule de 1 sur u qui donne moins u prime sur u carré. On peut dériver. Donc g prime de x moins racine de x, donc il suffit de mettre moins 1 sur 2 racine de x plus 1 sur 2x. Alors attention, u ce sera notre 2x, petite parenthèse hein. U c'est notre 2x, donc u prime revient sur la formule ici, bah, ça fait juste 2. Et après on applique la formule, donc à la place du plus je mets moins, u' c'est 2 sur 2x le tout au carré. On peut l'arranger en moins 1 sur 2 racine de x moins 2 sur 2 fois 2, 4x au carré. Pas besoin d'aller plus loin. Ça n'intéresse pas. Troisième dérivation. Nouvelle fonction, h de x. Donc x au carré moins 3x, x au carré plus 5. Une petite fonction produit. Polynôme, pas de problème. Polynôme c'est R. Le domaine de h, ça sera égal à R. Et le domaine de h prime, fonction polynôme, bah c'est aussi le même domaine R. Alors au niveau des formules de dérivation, on utilise celle qu'on a utilisée. Mais attention, là on a une expression un peu plus compliquée. Les fonctions un peu complexes, donc la forme u fois v. Donc quand on dit u fois v, il faut que le terme en u contienne du x et le terme en v contienne du x. Donc on utilise la formule u prime v plus v prime u. Donc là la méthode c'est de voir qui est u, c'est la première parenthèse. On la dérive tout de suite. 2x moins 3 v x au carré plus 5 v prime 2x, le 5 ça fait 0. Et ensuite on applique la formule qui est ici, donc h prime de x. Alors u prime il est ici, donc attention, dès que le u, le v, le u prime, le v prime contiennent plusieurs éléments, on met tout de suite des parenthèses, on va se faire avoir. Fois v x au carré plus 5 plus v prime 2x fois u x au carré moins 3x. On va tout développer. 2x fois x au carré ça fait 2x au cube. 2x fois 5 ça fait 10x. Moins 3 fois x fois x carré moins 3x au carré. Moins 3 fois 5 moins 15. On développe le 2x plus 2x fois x au carré, ça fait 2x au cube. 2x fois moins 3x, ça fait moins 3 fois 2, 6, x fois x, x au carré. On met les cubes ensemble, 2 plus 2, 4, x au cube. Les carrés ensemble, moins 3, moins 6, moins 9, x au carré. 10x, il est tout seul. Et le terme sans x, il est tout seul. Donc voilà ma fonction h' de x.
dernière fonction des exponentielles. Donc i de x sera égal à moins x au carré plus 8 fois exponentielle de x. Donc une nouvelle dérivation qui intervient. La dérivée d'exponentielle x, c'est la plus simple, c'est la même. Domaine de définition. Alors une fonction exponentielle, c'est défini sur R. Sur polynôme, c'est défini sur R. Donc le domaine de I est défini sur R. Et la dérivabilité, c'est la même. Il n'y a pas de valeur interdite. Alors on est encore sur du U fois V. Donc on retire cette formule-là. Bon, bien sûr, on pense écrire U égale à moins x au carré plus 8. U prime sera égal à la dérivée, ça fait moins 2x. 8, ça fait 0. V, c'est égal à exponentielle x. V prime, c'est égal à exponentielle x. Ça ne change pas. Donc, I prime de x sera égal à moins x au carré. Alors, U prime. Moins 2x fois v e de x plus v prime e de x facteur de moins x au carré plus 8. Donc là je vais pas développer mais plutôt factoriser parce que c'est une exponentielle, on voit qu'elle apparaît dans les deux éléments, dans les deux membres. Donc e de x facteur de moins 2x moins x au carré plus 8, et voilà ma dérivée. Ensuite, un bonus avec une fraction. C'était E. On va l'inventer. J de X sera égal à 2X plus 1 sur X moins 1. Donc une fraction. La formule d'une fraction est un quotient U sur V. Ça fait U prime V moins V prime U sur V carré. Donc je vais avoir sous la forme de U, je vais avoir 2X plus 1. Tout de suite je le dérive U prime 2. V sera égal à X moins 1. V prime sera égal à 1. Je dérive, v' de x, u' 2 fois v, x moins 1, n'oublie pas les parenthèses, moins v' 1 fois u, 2x plus 1, sur v carré, x moins 1, le tout au carré. On développe, 2x, 2 fois moins 1, moins 2, moins 1 fois 2x, moins 2x, moins 1 fois 1, moins 1, sur x moins 1 au carré, on développe jamais le dénominateur. Les x s'annulent, moins 2 moins 1 ça fait moins 3 sur x moins 1, le tout au carré.